Et du coup, bonjour, bonsoir à la division, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de Ratchet et Clank sur PS5 Rift Apart. On s'était arrêté juste ici dans cet ascenseur. Attends, tu peux me voir? Où est-ce que tu es? Tu t'es occupé de ma navette? Tu l'auras ta navette, t'inquiète. J'ai juste besoin d'un coup de main pour une dernière chose. Le centre de bien-être Nefarious. Tu vas détourner l'attention de ces soldats pendant que je pirate le dirigeable de propagande de Nefarious pour envoyer un message inoubliable à la ville. Allez, let's go. Let's go, Danny Boy. Oui, ça devrait être jouable. Et du coup, on avait une nouvelle arme qu'on va pouvoir tester. Ça, c'est plutôt cool. Coucou. C'est plutôt cousu ici. C'est plutôt une arme fort sympathique. Hein. C'est qu'il faut qu'on cause, vous et moi. La résistance, le nombre croissant des citoyens qui en ont par-dessus la tête de subir notre dictature diabolique. Bonjour, vous. Hop, champi truc. Ça, c'est luck pour le moment. Mais il faut quoi l'autre? Hop. Allez, tue-moi ça là. Faut améliorer les armes tout de suite, hein, c'est très important. Trop le carnage. Ah, je vous ai dit que c'était fort, hein. Cette arme. T'es pas marrant toi. Yeah, yeah. Alors, niveau optimisation, je suis pas sûr que je sois très fou. Hein. En termes de d'armes, utiliser des armes un peu fortes sur des ennemis un peu nuls. C'est bon? Eh ben, c'est pas trop tôt. Tournez Farius, me voilà. Waouh, où est-ce que t'as appris? Ah, chiant. On dirait que j'ai touché un point sensible. Bon, un marché, c'est un marché. Ça, c'est glitch. Ah oui, c'est vrai. On va monter dans la navette privée de l'empereur qui va vers la tour. La console d'accès est dans la grande statue de Nefarious, en plein cœur de la ville. Branche-la, et elle s'occupera du reste. Attends, qu'est-ce que tu fais? Je vais détruire ce monde complètement pourri de l'intérieur. Hein? Bon courage, mon frère! Il se fait prendre prisonnier exprès? Alors, je veux pas être rabat-joie, hein. Mais on peut play jusque là-bas, je pense. Hein. Enfin bon. Bon, tout ce qu'il me reste à faire. Ouh, ça va vite. Utiliser glitch, choper une navette et trouver Clank sur Sargasso. T'inquiète, j'arrive, mon pote. Tiens bon encore un peu. Oh, la sensation dans les mains, elle est insane, je kiffe trop. Il y a du rari juste là, j'avais pas vu. Mais y'a plus de rari. Madame Zurcon, attends. T'as pas une autre arme, bordel? Parce qu'on a un milliard d'armes par... On a eu un milliard d'armes déjà. Elle est où? Elle est là. Non. Ok, du coup maintenant... Hop, voilà. C'est forcément la console d'accès. Oh. Oh, un petit boss. J'aurais dû chercher des munes, j'étais con.
What? C'était pas au programme ça? What the fuck? T'es tout pourri. T'es tout pourri. Il est tout pourri. T'as vu où est-ce qu'on est là? C'est tellement le bordel. Ah, on est revenu là. Allez, ça dégage. On va peut-être dû racheter les munes, mais bon, c'est pas grave. Alors, coucou. Oh, salut, tu dois être Glitch. Je suis Ratchet. Désolé de t'avoir secoué dans tous les sens. Disons que la situation m'échappe un peu et... Pour tout te dire, je n'ai plus personne pour m'aider, à part toi. Merci. C'est très coloré, j'aime beaucoup. Il a l'air plutôt sympa. Il me suffit sans doute de supprimer quelques fichiers et ensuite il sera tranquille. Ah, je me disais bien qu'il y avait des fusées autour de moi. En vrai, c'est très coloré. Le jeu est super beau. Il y a rien à dire là-dessus, le jeu est super beau. J'aime trop. C'est quoi cette capsule? Ça provient d'un virus? C'est de Sony que sortent ces grouillards? Oh non 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 non! Je dois les supprimer avant d'être complètement submergé! Alors ils sont morts, hein, si jamais. Oh, je kiffe tellement! C'est ultra plaisant. C'est bon? J'ai vraiment... Waouh! En tout cas, ça y est! On dirait que l'ordinateur est réparé. Tu vas enfin pouvoir prendre cette navette, Ratchet. Tu as réussi, Glitch! Ravi de vous revoir, votre majestueuse majesté. Oui, c'est nous. Fonctionnez encore! Clank! Hein? Chut! Oh! Attrapez-les! Tout de suite! J'arrive, mon pote. Non, 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 non! Bienvenue au notre maître à tous. Mot de passe, s'il vous plaît. Hein? Pas besoin de mot de passe. Je suis l'empereur, et si je te réduisais plutôt en miettes...
Donc, tu dis que ce dimensionnateur a été volé par le docteur Nefarious et qu'il s'en est servi pour t'amener ici. Et maintenant, tu dois retrouver ton ami qui se trouve être miraculeusement un Lombax pour sauver l'univers. Et rentrer chez nous. Tu penses que je suis assez idiote pour gober ça? Regarde, je veux bien croire à l'existence de ton docteur Nefarious, mais ça, c'est forcément un coup de l'empereur. Au secours! Nous sommes attaqués! C'est... quelqu'un! Mork? Qu'est-ce qui se passe? Oh, oh non! Accroche-toi! Oh, Attention! Je fais toujours attention, hein? Mais où m'emmènes-tu exactement? Eh ben, je comptais te conduire dans ma planque. Mais d'abord, je dois sauver mes amis à l'usine de gélatonium. Et du coup, nous voici au contrôle de Mademoiselle. J'ai oublié son nom, c'est terrible. Comment t'appelles-tu? Ok, on garde les mêmes armes. Rivette. C'est Rivette. C'est comme ça que ça se prononce. Bon, on va dire Rivette pour le moment, si je capte précisément comment ça se prononce. On change la prononciation, pour l'instant ça sera Rivette, et puis c'est tout. C'est vous ? Bien, j'ai aussi gardé mes munes, ça c'est cool. Mes munitions, elles sont pas été restart, c'est cool ça. Enfin, elles ont pas été reload et tout. Je vais où? Parce qu'il y a plein de trucs ici, quand même. Un truc à droite, là. C'est peut-être un peu loin. Du coup, on va pouvoir switcher entre les deux, ça c'est plutôt cool. Ce sera pas que Ratchet. Une grande nouveauté, hein, parce que c'est la première fois dans le jeu, enfin, dans l'histoire de tous les Ratchet et Clank, qu'on peut jouer... quelqu'un d'autre que Ratchet ou Clank, du coup. Donc Clank, on peut le jouer de temps en temps. Là, on peut carrément jouer une autre Lombax. C'est plutôt... Bon, le gameplay est exactement le même, hein, par contre. Ça... on va dire, c'est le, entre guillemets, le seul bémol. Il n'y a pas un gameplay atypique par personnage. C'est fort dommage. Tout reste pareil. C'est sympathique, c'est pas le même... C'est pas le même... Même personnage et tout, donc on kiffe. Yeah. Super, il y a un astropode juste au-dessus de ma planque. Ça faisait longtemps que j'étais pas venu aussi loin. Il y a un énorme marécage acide entre nous et l'usine de gélatonium des Morques. Ces scarabées n'ont aucun problème avec l'acidité du marécage. Les scarapides? Ouais, c'est pour ça que je vais en chevaucher un. Dès que je serai assez près. Parfait. Alors, on... Mais j'avais pas ça sur mon compte la dernière fois. Oh, c'est parce que j'y ai ajouté notre ami commun à Nefarious City. Ok. Donc c'est le truc de Ratchet du coup. Qui n'apprécie pas faire une belle journée ensoleillée, enraciner ses amis grâce à un arroseur taupière, déployer une tourelle qui et c'est très très fort. Enfin, c'est très sympa parce que tu peux vraiment transformer tout en plante. Oh, j'ai pas assez. Oh, c'est une catastrophe. Ça coûte 500 les mules là. Aïe aïe aïe. Bon, il va falloir qu'on... Ah, d'ailleurs, attendez. Je crois. Tac. Gadget. Non, galerie peut-être. Non, je sais plus. Objet collection. Ah voilà. Ah oui, c'est... ok. Du coup là, on peut soit choisir d'avoir des pièces, soit choisir d'avoir des orbes, soit servir d'avoir des rubis. Et il y a overcharge aussi. Du coup, les pièces, bah, on va tous les tester. Regardez, qu'on voit un petit peu. Hey, tire. Voilà. C'est des pièces comme ceci. Plutôt sympathique. Tac, on va changer. Non, 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 non. On va mettre les orbes.
Bon, les petites armes. Je sais pas si c'est des refs à tout. Les rubis, c'est des refs à Zelda, forcément. Et les autres, je sais pas trop. Je sais pas trop ce que c'est. Hop, nous avons les rubis, du coup. Enfin, avoir des rubis de différentes couleurs. Ça fait très Zelda, du coup, forcément, logique. Wouhou! Nous avons les overcharges. Et c'est le dernier. Ça n'a pas trop de sens. Je pense qu'il y a des rêves qu'on n'a pas, hein, clairement. Enfin voilà, bon, on va rester sur les boulons quand même. Mais voilà, au moins vous avez vu ça, c'est plutôt rigolo. Et on a l'impression d'être riche avec les rubis. Méga frelons. Eux je les aime pas je crois. Eux ils sont chiants. Non, c'était pas eux qui étaient chiants. Il y a des ennemis ici qui sont super chiants. Peut-être eux, hein. Bon, attends. On reviendra. Oh, du rari. Parce que, attendez, si on regarde la carte, là, ouais, là-bas, il y a tout un truc, là. Pichour, pichour. Il nous faut 4000 boulons, hein. Pour acheter la prochaine arme. Ici à quoi? Une caisse. C'est tout? Y'a que des caisses? C'est bizarre cette histoire. Comme c'est bizarre. Ah! Et voilà le dernier scarabée qui file dans cette espèce de faille. Coucou! Alors, monsieur, je sais tout. C'est quoi cet endroit? Je dirais une poche dimensionnelle. Peut-être un des symptômes de la destruction causée par le dimensionnateur. C'est Ménard! Le robot a tout fait des morques! Il a dû entrer dans la faille sans faire attention. Là, le scarabée! Ok. Donc là, ce qui va être bien, c'est qu'on va pouvoir chevaucher. Non, non, te cache pas. Oh, tape sur le nip. Et on est parti. Voilà, c'est très le fun. C'est très le fun. Je crois qu'on peut sauter avec. Ah. Alors moi, je peux sauter, oui. Wouhou! Qu'est-ce que c'est ça? Ah, nouveau skin. Nouveau casque. Ranger Galactique. Bon. Oh! Chop! Bah, fais pas contre Chop lui! Attends, parce que. Il y a forcément plein de trucs ici, c'est sûr. On va faire un peu le tour pour voir. Faut être coché. J'aime bien comment on s'y tient. Je crois qu'il va y avoir que... Ah, pas de carte disponible. Il va y avoir que des boulons, je pense. Pas une raison de pas les ramasser, hein, clairement. Non, je peux pas m'arrêter, hein, avec. Faut le cocher. J'ai raté des caisses. Ça me trigger. Il y a des trucs sur les côtés, non? Ah. Ah.
Vas-y, j'ai accès à rien là. Je sais pas où je vais, hein. Ah, mais c'est la suite! Non! Non! Ah, je peux manger des murs! Oh, je savais pas. Ah, je pensais que si on se mangeait un mur, ça nous faisait forcément tomber du truc. Ah oui, mais si, ça nous fait tomber du truc. Okay. Il faut se le prendre de plein fouet, quoi. Je me passe volontiers de tes commentaires. Non, parce qu'il y a forcément... Oui, voilà, du armoiry. De toute façon, normalement, on voit ça sur la carte. Oups. Je l'ai réveillé. Il est en qui ce salaud? Là, tu vois le truc le truc avec le... Les plantes là, et bah ça marche sur lui. Genre on peut le transformer en plante. Trois oui. C'est pas dégueu ça. Oui alors attends, laisse-moi fouiller un peu là. Il y a plein de trucs partout. Comment j'ai accès à ça là-bas? On est où? Ça va être par là qu'on y a accès. T'es toi? Putain, mais y a des trucs partout là. Vas-y, j'en ai marre! Il y a des trucs partout! Oups. Ah, ça permet de revenir ici. Ok. Il y a des trucs vraiment de partout! J'ai envie de fouiller partout là! C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Où, là. J'ai l'impression que c'est pour plus tard tout ça, non? Je sais pas. Moi, ouais, je sais pas trop. On est peut-être arrivé ici un peu tôt, je sais pas. Allez, bon cette fois-ci on prend le chemin. Il y a un saut là, il y a un saut. Wouhou! Tranquille. Attention. Oula. T'inquiète, je gère. Ouais, je peux pas juste me contenter du chemin de base, faut que je tourne autour et tout. Ah, mais ça tue même les ennemis. Oh, c'est pas beau ça. Yeah, tourne. Ah. Je suis bloqué là, non? Non, c'est bon. On est bien, on est posé là. Sur notre petite monture. Ah. Oh. Demi-tour. Ding-ding-ding. Tes armes ne t'amusent plus. Tu as assez de boulons pour en acheter une autre chez Madame Bianco. Trop bien. Oh genre. Je pense que j'ai tout eu, hein. Il y a tout un truc que j'ai pas fouillé. Vas-y, quoi, avancez là. Parce qu'il y a tout un truc que j'ai pas fouillé, j'ai vu, mais... Stop.
J'ai envie d'avancer quand même un petit peu là, parce que là on a combien de temps? On est déjà à 25 minutes. Voilà l'usine de gélatonium. Tenez bon, les amis. On a traqué Lobax et son mini-robot à travers les dimensions. Alors on va pas se laisser avoir par des boules de poils. Alors je te donne 9 secondes et demie pour nous dire où les trouver. Hein? Attendez un peu. Pas content. Recherche de Ratchet. Je t'ai dit la vérité. Tous toujours, moi, je vais sauver mes amis. On va s'éclater, mes amis. Hey, je vais vous dire, moi, où trouver une Lombax. Mais je vous préviens, elle sait se battre. Tiens. Tiens, le vaisseau. Allez, meurs, là. Merci. Je suis sûr que ça doit être très rentable, mais bon. Ouais. Oh, j'ai des trucs quand même. T'es toi? Oula. C'est bon? Et ben voilà. Quand on a su que ces types traquaient un Lombax, on s'est inquiété pour toi. Finalement, on dirait que c'est toi qui nous a sauvé la mise. Attends, où sont les autres? Bah, il y a plein de morques coincés dans ce truc bizarre, là. Aucune idée de ce que c'est. En tout cas, ça n'arrête pas de grossir. Oh, entre ça et notre nouveau voisin là-haut, c'est pas franchement la joie. Oh, pas de souci, je vais régler ça. Oh, histoire de vous occuper en mon absence. J'ai trouvé ça chez Zurki. Morgue va enfin pouvoir réparer son vaisseau depuis le temps. Chez Zurki? Oh, ces pirates ne t'ont pas mené la vie dure, j'espère. Juste un peu. Tu pourras le donner toi-même à Morgue une fois que tu l'auras sorti de ce gros machin violet. Ils s'appellent tous Morgue. Ça me termine. Ah, nouvelle arme encore. Ah, le ricochet. Oh, je suis pas fan de celle-là. Mais très bien. Bon, on va plutôt acheter... Bon, de toute façon, j'ai pas la thune. Non, on va plutôt acheter ça. Ricochet, c'est bien, mais je suis pas trop fan. Je suis triste de te voir partir, trésor. Ok, salut toi. Ça flotte, Ménard. Je peux rien en faire. Ok, on va faire le truc violet, puis après on s'arrêtera. Pour aujourd'hui. Oh, il y a trop de trucs là. Oh, ça m'énerve. Il y a trop de trucs à fouiller, j'ai trop peur de rater des trucs. Genre ça. Oh, j'ai vu. On l'a tous vu. Oh, le boulon en or. Oh oui. Et boum. Du coup, normalement, on a eu un petit secret. Bon, mais on a eu le casque. On va pas le mettre. Et là, du coup, on a eu galerie améliorée. Nouveau personnage rejoint la galerie. Ok. Oh. Greg Beer. Le mystérieux ours en peluche qui semble apparaître un peu partout dans l'univers. On dit qu'il véhicule l'optimisme, la bonté et la créativité d'un héros disparu regretté par ses camarades. J'ai pas du tout. J'ai pas du tout. C'est peut-être une ref à un autre jeu. Si c'est une ref à Ratchet, j'ai pas. Enfin, je m'en souviens pas du moins. Mm-hmm. Ouais, on va sauver Mork. Let's go. Ok.
défense d'entrée. Compris. Pourrais-je y jeter un œil? J'ai une certaine expérience des anomalies dimensionnelles. Je... D'accord. C'est trop bien, ça. Salutations, bienvenue. Et comment es-tu entré ici? Où sommes-nous exactement, ici? Oh, tu l'ignores. Eh bien, je l'ignore aussi. Je crois que cet endroit se trouve entre les dimensions, c'est peut-être rien. Ou alors, c'est une fissure anthropique cataclysmique qui va bientôt réduire l'univers en une bouillie informe. Le temps le dira. Oh. Oh non. Eh bien, je m'appelle Clank, si je peux vous être utile. D'accord, Clank. Moi, je suis le prophète cosmique omniscient du secteur interdimensionnel 2255 phase Oméga. Mais tu peux m'appeler Gary. C'est bien, Gary. Ah, voilà Clank, robot de guerre réformé, partenaire du Lombax, héros reconnu. Oh, ça c'est la classe. Oh, un ami de mon père, je vois. Votre père? Tu pourrais bien être celui que j'attendais. Acceptes-tu de m'aider à réparer les dimensions? Oh, en fait, ça fait tellement temps qu'il y a, des ratchets, ça fait tellement temps que je les ai pas fait. Réparer les dimensions? Et pourquoi y a-t-il toutes ces copies de moi ici? Ce sont tes possibilités, la clé pour réparer cette anomalie. Mais d'abord, ramasse cette sphère là-bas. Une sphère de légèreté. On peut réduire la gravité de tous les objets qu'elle touche. Il semble que tes possibilités soient ce qui empêche l'anomalie de s'effondrer. Elle te ressemble, car c'est ainsi que tu interprètes la dimensionnalité. Mais, comme tu peux le voir, elles sont égarées. Si tu parviens à les guider jusqu'au métaterminal, là-bas, tu commenceras à réparer l'anomalie. Maintenant, entre dans le métaterminal et tu ne seras plus très loin de réparer cette anomalie dimensionnelle. Et là, c'est la phase casse-tête un petit peu du jeu. Et je kiffe trop. Je crois que les choses commencent à prendre du sens en termes de dimension. Ah, une sphère de vitesse pour aider à la mobilité. À mon avis, une vitesse accrue devrait venir à bout de cet obstacle. Vous aussi vivez sur Sargasso, Gary? Sur Savalie, en fait. Je mène mes études dans les archives. C'est véritablement la plus grande source de savoir dimensionnel que je connaisse. Ah, tous les autres ratchets, ça fait tellement longtemps que je les ai pas fait, à partir du 3 quoi. Pourra peut-être rediriger mes possibilités. Il doit y avoir un moyen de l'activer. Le 3 je l'ai fait il y a pas si longtemps que ça, et après il y a Opération Destruction, Quoi sur Boutique, U-Force, tout ça, et ça date tellement longtemps, ça date d'il y a tellement longtemps qu'il y a plein de trucs que je me souviens plus forcément. Quick in Time aussi, je l'ai pas fait, je l'ai fait il y a très longtemps. Alors. J'ai bien conscience que j'apprends quelque chose en élucidant ces énigmes, mais je ne saurais expliquer de quoi il s'agit. Ouais, forcément. Ils viendront lorsque tu seras prêt. Pour l'instant, mène tes possibilités jusqu'au dernier métaterminal. Et sans vouloir te stresser, des tas de choses dépendent de toi. Des tas et des tas. Si je répare cette anomalie, tous les dégâts causés dans cette dimension seront-ils réparés également? Oh non, les anomalies se répandent trop vite pour ça. Je crains qu'un cataclysme dimensionnel soit déjà en marche, et notre seule chance de l'arrêter, c'est justement ce qui l'a causé. Le dimensionnateur? Tout juste. Mais si réparer les anomalies t'aide à en apprendre davantage sur la dimensionnalité, tu devrais bientôt en savoir assez pour nous sauver. Espérons. Espérons. Ça devrait alléger les... Je suis perplexe. Je ne sais pas si je serai capable de résoudre toutes ces énigmes. Pourquoi dis-tu cela? Il y a bien longtemps que je n'ai plus accompli d'actes héroïques. Et étant donné tout ce qui s'est passé avec le dimensionnateur, j'ai de quoi être inquiet. Bien. En période de grand stress, c'est-à-dire à chaque jour de ma vie, je pense qu'il vaut mieux aborder les problèmes un par un. Se concentrer sur ce qui se présente. Bon, je connaissais déjà ces casse-têtes-là. Les prochains, je les connaîtrais pas, mais ceux-là, je les connaissais. Ça y est, Clank, tu as réussi à
réparer l'anomalie. Et puis c'était plutôt logique en vrai. Vers la prévention du cataclysme dimensionnel. Youhou! Ouais, on est bon. Et là, je lui dis, écoute, Mork, toi, Mork et Mork, vous allez bloquer cette limonade avant que Mork arrive. Waouh! Tu les as sauvés! Comment t'as fait ça? Je... n'en suis pas très sûr. Oh, Rivette! Comment ça va, ma grande? Regardez qui voilà! Tu vas jamais croire tout ce qui m'est arrivé. Ma mission à Nefarious City est complètement partie en vrille. J'ai détruit mon vaisseau et puis... Fais ce que t'as à faire et laisse-moi m'occuper de ça. Enfin, si tu m'as apporté la pièce que j'ai demandée... Ce vieux tas de boue sera bientôt comme neuf. Je baisse le pont et ensuite je t'emmène dans ma planque. Oui, mais ça sera la prochaine fois. Je peux toujours en faire avec toi. Ok, bon, on va s'arrêter pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Boum. Perso, j'ai fait que le secret à Jean Clonk. Ah, très bien. Je les ai tous faits. Tous faits, il n'y a que... Gladiator que j'avais pas fini, que j'avais fait quand j'étais tout petit. Et je l'avais pas fini, sauf que j'ai paumé le jeu. Oui, c'est possible de paumer des jeux. J'ai encore la boîte, mais j'ai pas le jeu. Il y a Q-Force que j'ai fait que la Nemo. Mais c'est très... c'est pas fou apparemment. Sinon j'ai fait tous les autres. Et ah non, bah non, tu me diras, Secret Agent Clank, je crois que je l'ai pas fait. Non, les deux qui sont sur PSP, je crois que je les ai pas fait. Ou il y en a qu'un sur PSP, je sais plus, bref. Bon, en tout cas on se laisse là pour la diff. Je vous dis à la prochaine, tout ça, tout ça. Prochain épisode, on va détruire ce truc là et on va aller dans la planque de Velvet. Tout ça, puis je crois qu'on sera pas loin de l'endroit où j'ai tout vu. Après, ça sera full découverte. Je pense que pour un stream, on rattrape le moment que je connais pas. On verra. Bref, je vous dis à demain. Faites de beaux rêves, tout ça, et à la prochaine. Enfin, à demain. Le stream à demain, mais la rediffusion, dans quelques jours. Bye bye.